Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé. Dans cette vidéo, on va introduire le jeûne et ferons ensuite d'autres vidéos sur le jeûne et ses possibles vertus thérapeutiques, le jeûne et la santé, le jeûne et la spiritualité, et évidemment, je suis sûr que c'est celle que tu attends le plus, le jeûne et la musculation. J'ai déjà traité ça dans une autre vidéo, mais cette fois, on essaiera d'être encore plus précis. Le jeûne est une pratique ancienne qui, si tu es sur cette vidéo, tu le sais, retrouve depuis une paire d'années l'attention des gens. Il y a le jeûne complet, le jeûne partiel, le jeûne continu ou le jeûne intermittent. Le jeûne complet, ça consiste à s'abstenir de tout aliment solide et liquide, sauf de l'eau. Le jeûne est dit total ou complet si l'apport calorique est nul. Au cours d'un jeûne total, comme je te l'ai dit, il n'y a que l'eau qui est permise. Et en cas d'arrêt d'apport hydrique, on précisera le terme de jeûne sec. Un jeûne est partiel si l'apport calorique n'est pas nul. Généralement, il est quand même très faible. On est entre 250 et 300 calories et on n'y propose que des jus de fruits ou des jus de légumes sans apport de calories solides. Alors, comme je te le disais, le jeûne peut être continu ou intermittent. C'est-à-dire que tu peux faire des cures où tu jeûnes par exemple un jour sur deux, un jour par semaine. En cas de jeûne continu, ça va de un jour jusqu'à X jours. En cas de jeûne intermittent, l'étalement et le rythme du jeûne sont variables. Généralement, tu manges pendant 8 heures et tu jeûnes pendant 16 heures. Voilà, c'était la toute première vidéo introductive sur le jeûne. On va essayer de rentrer dans les détails dans les prochaines vidéos. Surtout, n'oublie pas de mettre le petit pouce. Moi, je te dis à très bientôt. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.